vous présentez ou c'est moi qui vous présente en vidéo? Bonjour. Genre vous pouvez regarder les deux. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation américaine avec mes amis donc Phoebe ici. Salut. Et Nola. Salut. Donc j'ai passé commande sur My American Market il y a à peu près 3 semaines et c'est arrivé super tôt. Normalement ça devait arriver en 3 semaines et ça a mis une semaine et demie je crois, donc c'est arrivé super rapidement. Alors j'avais déjà commandé mais sur un autre site, c'était sur My Candy Shop et c'était quand j'étais en 6ème. On avait fait une vidéo avec Phoebe pour rigoler. En mode on se filme pour poster sur YouTube alors, mais alors qu'on poste pas du tout. Ouais. Je vous mettrai un extrait là, c'était assez drôle. Par contre c'est un beau vert turquoise. Vert turquoise. Ouais bon voilà. Quoi. C'est vert plutôt gazon. Non c'est très bon. Tellement bon. Donc j'ai déjà ouvert le carton pour mettre des produits au frais le temps qu'on tourne la vidéo. On n'a pas vu les produits, là c'est... on va les ouvrir devant vous pour la première fois. Donc il y a tout ça. Voilà. Du coup on pioche au hasard et on mange. Vas-y. J'ai acheté des mac and cheese mais on va pas les faire en vidéo parce qu'il faut les faire cuire. Soit on les fera en fin de vidéo, soit on les fera pas. Phoebe, tu commences, ferme les yeux. Ok, donc je regarde à côté. Après, on est bien. Ah c'est du salé. Ok. Ah je connais. J'en ai déjà vu. C'est des goldfish au cheddar. Ça tombe bien, j'aime pas beaucoup le cheddar. Ça va nickel. Ah, génial. Tiens, prends-en. Tu mangeras pas ça bien. Vas-y. C'est ça. C'est pas ouf hein. C'est pas fou non. Ok. Ça... T'aimes bien? Vous mettez des notes? Ouais. Sur 10? Ouais. Non, moi je mets 3. Hein. Ah, carrément? Non, ouais. J'aime pas. Non, moi 7, je mets dans la moyenne. Je pense que je mets ouais, 7. T'as dit c'est pas. T'as dit c'est pas fou, mais tu mets 7. Non, en vrai ça va. Juste que. À la fin, ça a un goût de. Ouais, c'est un mauvais goût à la fin. Je saurais pas l'écrire, mais ça sent le rayon bricolage. C'est la loterie, genre. C'est des beef jerky, c'est de la viande séchée. Bah ça je le sens mieux que les goldfish, je sais pas quoi. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que ça sent les saucisses aux lentilles. Ouais, ça sent les saucisses aux lentilles, genre les... Tiens, une... En fait, c'est pas fait bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça sent grave bon. Par contre, c'est sucré. Ouais, c'est sucré. J'ai l'impression que c'est pas les poissons. Hein. J'ai l'impression que c'est pas de la viande parce que c'est sucré. Moi, je mets 6 sur 10. Même 5. 5 sur 10. Moi je mets 2. Hein. Ouais. Et toi Phoebe? Bah, vu que j'ai mis 3 à l'autre, je vais mettre genre 3,5. Ah c'est des pop-rocks. Oh, oui. Comment on peut appeler ça? C'est du sucre pétillant? Ouais, c'est du sucre pétillant bah, qui va pétiller. Et apparemment, bah, quand tu le croques, c'est trop bizarre le bruit. 3, 2, 1. Attends. Mais ça a pas le goût de bubblegum. En vrai quand je le mâche j'ai l'impression de manger du chewing-gum. Ah oui ouais. Je crois qu'après ça se transforme ouais, en chewing-gum. C'est ça. Quelle note? 8 parce que c'est du sucre. Mais j'adore le sucre. 7. Moi aussi je suis plus sucrée que salée donc je mettrais 6. Mais je suis pas fan du goût bubblegum mais c'était bon quand même. Ouais. Ah je prends que des trucs salés. Je sais même pas ce que c'est. On dirait des sortes de curly. Ouais, des sortes de curly. Ah oui, mais c'est pas des curly. Ça, apparemment, c'est super piquant, ouais. C'est des Cheetos. C'est les Flaming Hot Crunchy. C'est rouge. On en parle. On en parle du léopard sur le mâchoire. La vache, ouais. Genre, plus chimique, tu meurs. Bon, bon. Ah, ça sent bon. Ah, je vois. Ouais. Ça sent, j'ai peur que ça me pique. 3, 2, 1. Non, ça me pique. C'est du popcorn. Non. Non, ça pique. Un peu, ouais. Ah oui, ça pique. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. En vrai, c'est bon, c'est juste que ça pique. Vous mettez combien sur 10? Je mets 7. Alors, 7,5 parce que ça goûte popcorn. Un peu, ouais. Je trouve pas. Ça a le goût de soufflé, genre pique, de gâteau apéro soufflé, quoi. Moi, j'aime bien parce que je m'attendais à un truc plus salé, genre plus chimique.
Du coup, vu que j'aime bien le piquant, je mettrai 7. Donc là, c'est des Laffy Taffy. On avait déjà goûté avec Phoebe. Sauf que là, c'est à la pomme et c'est. C'est acide. 3, 2, 1. C'est de la pomme super chimique. Ouais. Ouais. Mais c'est pas du tout acide. Mais c'est à moitié de plastique. Ouais. Ouais. Moi, je mets 3. Moi, je mets 6 parce que c'est un bonbon. Et je ne mettrai jamais en dessous de la moyenne pour un bonbon. Non, en vrai. Tu mets 4 moi, ouais, 3, 4, 3. Vas-y, moi je vais prendre ça. C'est une bière? Oui. Enfin, c'est pas une vraie bière. Oh. C'est la bière d'Harry Potter. C'est la, la bière au beurre. Ouais, voilà. C'est la bière au beurre d'Harry Potter. Oh, elle sent vraiment le caramel. Hein. Ça goûte du sirop là. Pour la. Le fucédal. Je sais plus, mais il y a un sirop pour la toux qui ressemble à ça. Ah ouais? C'est exactement le goût du sirop, ouais. Ouais. C'est vrai, les bulles, elles sont pas trop. Ouais, il y a même pas de bulles. Ça a le goût de sirop pour la toux au caramel. Ah bah, il y a 33 grammes de sucre, donc tu m'étonnes que c'est ça. Ah vache, c'est du sucre. En vrai, je suis étonnée, du coup, je mettrais 8. Ouais. Moi, je mets 6. Pareil, je mets 6. Non, je mets 7. J'aime bien l'originalité. Mais après, ça reste trop sucré et genre. J'ai fait un truc que j'aimerais bien piocher. Ah là, je l'ai. Ah, je l'ai. Oh, ils sont pas l'Oreo. Trop bien. Enfin, je crois que c'est l'Oreo. Cookie and cream. Ouais, c'est comme de l'Oreo. C'est des Hershey's. Toutes les vidéos que j'ai vues de dégustation, tout le monde aimait. Donc, je pense qu'on va aimer. Vous merci. En voulez une barre ou un carré? Si j'aime bien, on en prendrait. Oui, Manu, on en prendrait. 3, 2, 1. Oh. Du chocolat blanc à l'Oreo. Ouais, j'adore. Mais c'est bon. Ça a le goût à monter des céréales là, quand on était petit. Ah, les lions, là. Ah, ça a le goût de lion. Ouais. Ouais. Vous mettez combien, du coup, sur 10? Moi, j'adore. Hein. Ouais, moi, je mets 9. Hein. Pareil. Ouais, 9. C'est dommage que ce soit. Pomme, elle est parce qu'elle est vraiment fine comme carré. C'est du fluffy stuff, donc c'est de la baba papa multicolore. Merci. 3, 2, 1. Moi je mange par couleur. On sent vachement le goût du citron. Ah ouais, sur la joue. Ouais. Ouais, on sent le citron. Mais les autres, je les sens pas trop. Vous mettez combien? Bah, j'ai un peu trop de citron là, mais. Non, en vrai. Genre, ça fond vraiment dans la bouche comme une baba papa, donc. Moi je mets 6. En vrai 7. Moi j'aime pas plus que ça. Du coup je vais mettre 4. Bébé tu vas adorer. Donc c'est des Reese's au chocolat blanc. On avait goûté les chocolats au lait. Et non là je sais pas si t'as déjà goûté. Si ouais. Si. 3, 2, 1. Non, c'est tendant. Ouais, je préfère le chocolat au lait parce qu'au moins on sent le chocolat. Mmh. Alors que là le chocolat blanc ça fait juste du sucré. Mmh. Mais on sent pas le goût. On sent comme le beurre de cacahuète. Mais ça reste super bon quand même. Tu mets combien, Edo? En vrai, 8. Parce que genre, c'est dommage que le chocolat blanc, il sent pas. Parle pas trop. Pareil qu'elle, je suis d'accord. 8? Ouais. Moi, je mets 7,5. Juste pour être chiante. Donc, c'est du fluff. C'est une pâte à tartiner au chamallow. Merci. Tiens. Merci. Moi, je bouffe. Mais tu sais que c'est des OGM, ça? Au caramel. Ça met en. Ouais, mais en fait, le premier ingrédient c'est amidon modifié de maïs, donc bon. Ok, d'accord. Ça donne envie. Par contre, ça colle aux dents. C'est vraiment le goût vanille en fait que j'aime beaucoup. Mm. En fait, c'est des meringues liquides à la vanille. Mm. J'aime pas trop en fait. Ah ouais? Ouais. Enfin, genre là, 4, tu vois. Oh ouais, 3, 4. Ah, carrément? Non, ouais, je sais pas. Non, moi je mets 7. Je mets 7 aussi. Alors ça j'avais hâte de le tester. Ça s'appelle des runts ou des runts. Je sais pas. Ah c'était sans forme de fruits. Oh, oh trop cool. Je goûte le rouge d'abord. Moi aussi. Et moi le vert. Tiens si tu veux un rouge. Ah. Ok. Ah c'est vraiment. Ah mais. Ah je peux pas le croquer. Tu peux croquer ou pas? Ah bah non. Je croque pas. Je peux pas croquer. C'est super dur. Attends, je croque. J'ai perdu 3 dents. Ah l'intérieur ça. Non j'aime pas. C'est un peu piquant. Ah. Ouais. Ah. Pas très bon. Tiens, attends, j'ai refait. Bon, j'en réponds, moi. Ah, ah, deux, ça m'a suffi. Vas-y, moi, je prends vert. Ah. C'est pas terrible. 2,5. Oh. Moi, je voulais pas mettre en dessous de 5 pour les bonbons, j'avais dit. Mais je mets 4. Ah, moi, j'aime vraiment pas, genre... J'ai envie de mettre 0, mais ça bah, mets 0. Bon, moi, je mets 0. Oh la vache. Là, c'est du Fanta, mais au B. Ah, c'est bleu. Ça a le goût d'Arizona un peu.
Ah ouais, enfin, j'ai goûté une boisson raisonnable. C'est quand même léger le goût. Ah, tu l'as pas aimé, c'est gazeux. Ah oui, elle aime pas les bulles. Ah ouais, non. Non, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je trouve que ça a un bon goût. Après, ça reste quand même chimique, mais oui. Ça va. Bah, le goût en soi, ça va, mais ça moi, va. Ouais, c'est le chimique. Mm. Moi, je mets 8 parce que c'est des altérants, c'est frais. Mais après, ça aurait été dans le frigo. Et c'est pas si sucré que ça. Hein. Vas-y, on va voir le sucre. Et bah, tu vois, il y a 40 grammes. Oh, qu'on sent vraiment pas. Hein. Et bon, du coup, moi, je mets 7. Avec moi, je mets genre 5. Bon, bah, il reste un produit. C'est des chewing-gums. Ça s'appelle les Juicy Fruit. Vous mettez combien? 3. Ah, t'aimes pas du tout? Mm. Bah, un peu les Malabar en fait. Ah non! Un petit peu, hein? Ouais. Bon, moi, je trouve pas du tout. Je trouve ça beaucoup trop sucré. Connaisseuse. Non, en fait, je mets pas 3. Je crois que j'ai dit 3. Genre, je mets 5 parce que genre c'est quand même hyper fondant. Et du coup, moi, je mets 5 parce que. Je suis pas très fan du goût, mais ça va. Mais je trouve que c'est vraiment trop sucré. Moi, je mets 8 parce que j'aime bien. Bon, bah, on a goûté tous les produits. Donc, on va clôturer la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format avec mes amis, du coup. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous. Salut. En tout cas, moi, ça m'a plu. Ah, ouais, si, vous avez pas été trop gênée? Non. Non. Ok. Donc là on fait les mac and cheese, ça m'inspire pas trop confiance. Moi non plus. C'est pas du fromage, c'est de la poudre. Ouais. On a goûté les mac and cheese et c'est bon, mais c'est pas fou.